Nous continuons avec le second hadith de ce passage sani qui nous est rapporté par Hadith Muslim ibn Yassar radiallahu ta'ala. وعن مسلم بن يسار رضي الله تعالى عنه قال سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم على أنفسهم ألست بربكم قال عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسأل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار رواه مالك والترمذي وأبو داود. Alors, nous avons ce récit qui nous est rapporté par Muslim ibn Yassar. Muslim ibn Yassar, c'est la première fois que nous le voyons. Nous n'avons pas grand-chose à son sujet. C'est un tabi'i, c'est-à-dire un musulman qui n'a pas vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui a vu les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est l'époque après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, ce Muslim ibn Yassar, il n'a jamais appris de hadith avec Hazrat Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala. Cependant, il a un élève qui s'appelle Naïm. Cet élève qui s'appelle Naïm, lui, il a eu la chance d'apprendre avec Hazrat Omar radiallahu ta'ala et il a fait part de cet enseignement à son professeur Muslim ibn Yassar. Donc de ce fait, Muslim ibn Yassar, il est le professeur de Naïm aussi, il est en même temps l'élève de Naïm. Et étant donné qu'il a appris ce hadith de son élève, alors il va tout simplement enlever le nom de son élève et dire qu'il rapportait directement de Hazrat Omar radiallahu ta'ala. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Hazrat Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala a été questionné sur l'interprétation d'un verset du Coran qui dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَىٰ سُبْحَانَ رَبِّكُمْ. Rappelez-vous du moment où votre Seigneur a tiré du dos du fils de Adam alayhi salatu wa salam sa progéniture, sa descendance, wa ashhadahum ala anfusihim, et les a ordonné de témoigner. Ala subhi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et là, les enfants ont dit, qalu bala shahidna ala anfusina. Très certainement, ô notre Seigneur, nous témoignons sur nous-mêmes que tu es notre Seigneur. Donc là, c'est le verset à propos duquel a été questionné Hazrat Omar radiallahu ta'ala. Et dans l'explication de ce verset, Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il va tout simplement mentionner un hadith. Il dit que j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est fait questionner sur ce récit, sur ce verset. Et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam. Ensuite, il a passé sa main droite sur le dos de Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam et en a fait sortir une descendance. Et à propos de sa descendance, il a dit que j'ai créé cela pour le paradis et ils feront les actions vertueuses qui mèneront au paradis et ils les pratiqueront. Ensuite, il a passé sa main sur le dos de Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam et en fera sortir d'autres descendants et il dira que j'ai créé cela pour l'enfer et ils pratiqueront, ils feront les péchés qui les amèneront directement en enfer. Alors tout de suite, la question que nous nous posons, cette même question a été posée au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par des compagnons. Une personne se levait et dit, « Fafim ala amalu ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, si la destinée était écrite, si Allah sait déjà qui ira dans l'enfer, qui ira dans le paradis, et que personne ne pourra changer
cette décision, donc ceux qui sont destinés à l'enfer iront en enfer, ceux qui sont destinés au paradis iront au paradis. Alors pourquoi pratiquer au prophète d'Allah? Autant s'asseoir sur les lauriers, sur nos lauriers, et attendre tout simplement la mort. Profiter de cette vie. De toute façon, là où on a été écrit, j'irai. Si c'est l'enfer, ce sera l'enfer. Si c'est le paradis, ce sera le paradis. Ce n'est pas le fait de pratiquer ou de ne pas pratiquer qui changera une virgule ou un point dans la destinée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va répondre avec beaucoup de sagesse et dire « Inna allaha idha khalaqa al-abda lil jannah » Certes, vous pouvez pratiquer comme ne pas pratiquer. Faites-le si vous voulez, mais je vais vous donner un enseignement. L'enseignement c'est quoi? C'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé un serviteur pour entrer dans le paradis, alors Allah subhanahu wa ta'ala utilisera cette personne pour faire des actes vertueux et il aura cette habitude de faire ces actes vertueux jusqu'à sa mort. Et il mourra justement avec un dernier acte vertueux qui l'amènera directement dans le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il prétextera cet acte vertueux pour le faire pénétrer dans le paradis. De l'autre côté, lorsqu'il crée une créature pour l'enfer, alors il choisit cette créature pour pécher jusqu'à sa mort. Et avant sa mort, étant donné qu'il a l'habitude de pécher, alors il va mourir sur un dernier péché et Allah prétextera ce péché pour le faire entrer dans l'enfer. Maintenant, vous êtes libre. Si vous voulez attendre, attendez. Mais sachez que les premiers signes des gens qui entreront dans le paradis, ce sont les actions vertueuses. Et les premiers signes des actions qui mettront dans l'enfer, ce seront les péchés. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un a grandi dans les péchés que cette personne ira en enfer. Avant sa mort, Allah peut lui donner le tawfiq de faire le tawba sincère et d'accepter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est resté constamment dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle entrera dans le paradis. Il est possible, Allah nous en protège, qu'avant sa mort, cette personne réfute l'unicité d'Allah ou cette personne fasse un péché qui lui fasse entrer dans l'enfer. Mais toujours est-il que le premier signe qui nous fera entrer dans le paradis ou dans l'enfer, ce sont nos actions. Exactement comme les premiers signes qui annoncent la pluie, ce sont les nuages. Il n'y a pas de pluie sans nuages. Donc, pour qu'il y ait de la pluie, il faut absolument des nuages. Mais ce n'est pas parce que le ciel est couvert qu'il pleuvra obligatoirement. Mais tant qu'il n'y a pas de nuages, il n'y aura pas de pluie. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il dit exactement la même chose. Tant qu'il n'y a pas d'action virtuelle, alors il n'y aura pas de paradis. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'action virtuelle que Allah lui fera obligatoirement entrer dans l'enfer. Allah peut avoir pitié de lui et lui faire grâce. Mais les premiers signes de l'entrée dans le paradis ou dans l'enfer, ce sont les actions. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Vous voulez pratiquer, vous pratiquez. Vous voulez ne pas pratiquer, vous ne pratiquez pas. Mais l'enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est très clair. Donc voilà ce que l'on peut retirer de ce hadith. Alors dans ce hadith, il y a quelques points à aborder. Dans le verset qui est mentionné, « وَإِذَا خَضَرَ بُكْرَ مِنْ بَنِي آدَمَ » Et dans ce hadith, il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sortir du dos de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam sa descendance. La première question qui se pose, c'est où est-ce que cette descendance a été retirée? Dans le paradis, ici sur terre, dans le monde des âmes, à quel endroit? Alors il y a plusieurs réponses qui sont données. Mais là aussi, ce sont des réponses que les muhaddithis nous ont données en se basant sur d'autres récits, mais à aucun moment notre foi ne dépend de ces réponses. Il y a très souvent une personne qui avait l'habitude de questionner sur des points, quelqu'un de très curieux, et qui questionnait sur certains points. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Qu'est-ce qui va se passer après cela? Où est Hazrat Isa alayhi salatu wa salam? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment dans les cieux? Ce sont des questions qui élèvent la curiosité.
Mais notre cher professeur Mufti Wahiduddin, Damat Barakatuhum, lui, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait que l'être humain, il a pour obligation de chercher les réponses qui augmenteront sa foi. Les questions qui n'augmenteront nullement la foi de cette personne, alors si on trouve les réponses, c'est bien. Et si on ne trouve pas les réponses, alors pour lui, c'est une inutilité d'aller perdre son temps dans des livres et des livres pour rechercher une réponse qui n'affectera nullement sa foi. Là aussi, c'est plus ou moins la même chose. Où est-ce que cette descendance a été retirée? Alors, ce n'est pas en connaissant cette réponse que notre foi va augmenter. Ce n'est pas en répondant que les enfants d'Adam ont été tirés de son corps à tel endroit qu'une personne va dire « Subhanallah, à partir d'aujourd'hui, je vais me lever pour faire mon namaz de tahajjud. » Non, cela n'aura aucun effet sur sa foi. C'est simplement des questions qui lèvent la curiosité. Donc là, nous allons répondre à certaines de ces questions par rapport à ce que les muhadithines, ils ont donné comme réponse, mais ce sont parfois des réponses qui ne viennent pas forcément de l'enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont parfois des déductions. Mais, donc nous allons donner ces réponses. La première question, c'est donc, où est-ce que ces enfants ont été tirés? Alors, certaines personnes sont d'avis que c'est dans le monde des âmes. Dans le monde des âmes, toute sa descendance a été retirée. D'autres personnes qui disent que c'est sur terre. Hazrat Adam, alayhi salatu wasalam, il était dans le paradis, Allah l'a envoyé sur terre, et c'est sur cette terre que cette descendance est sortie de son dos. Et Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il va même un peu plus loin. Il dit que akhadallahu al-mithaq bi Nu'man, yani Arafa, que cette descendance a été retirée du dos de Hazrat Adam alayhi salatu wasalam sur terre. L'endroit précis aussi, c'est quoi? C'est sur la colline de Nu'man qui se trouve à Arafa, à Makkah Mukarrama. Lorsque nous allons accomplir notre pèlerinage, nous devons passer par Arafa. Alors c'est sur cette plaine de Arafa que la descendance a été retirée du dos de Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala les a questionnés. Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est que comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir cette descendance? La première réponse, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait un trou, il a fait une ouverture, il a ouvert le dos de Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, et de cet endroit, de cette ouverture, il va faire sortir toute la descendance de Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. La seconde réponse qui est donnée, c'est que Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, il est sorti par la tête, la descendance de Hazrat Adam alayhi salatu wasalam va sortir de la tête de Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. Là où il y a nos cheveux, alors à chaque petit endroit où il y a chaque brin de cheveux, dans chaque pore de notre tête, alors de ces chaque pore-là, Allah va faire sortir les enfants de Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. Et la troisième réponse, qui est un peu mieux, c'est quoi? C'est que les enfants de Hazrat Adam alayhi salatu wasalam sortiront des pores du dos de Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. Au niveau de notre dos, il y a aussi des pores, exactement comme nous transpirons du dos. Alors, à ces mêmes endroits, Hazrat Adam alayhi salatu wasalam va, comme de la transpiration, de chacun de ses pores, Allah va faire sortir chaque personne de la descendance de Hazrat Adam alayhi salatu wasalam.